Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, comment allez-vous les amis? Eh bien, pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce 43e épisode de Far Cry 6. Vous m'entendez? Je suis un peu différent, je suis un petit peu bizarre. C'est vrai que l'intro est quand même vachement chelou. Alors voilà, plus de 40 épisodes les amis, j'ai fait différents types d'intros, des intros what the fuck, des intros sérieuses, nanana. Et là, c'est vrai que je vous parle un petit peu différemment. Déjà, premièrement, 43 épisodes, voilà, c'est aujourd'hui, voilà, le 43e. J'ai regardé, alors il faut savoir que tous les 10 épisodes à peu près, je m'amuse à regarder la cinématique d'intro en entière, donc de Far Cry 6, avec cette musique qui t'emporte. Et à chaque fois, ça me procure cette même sensation et ça s'amplifie. À chaque fois que je vois cette cinématique, je suis en mode waouh, c'est troublant. J'en ai parlé sur Twitter, mais c'est troublant tellement. Voilà, vous le savez, je vous l'ai dit que le jeu vidéo se politise, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais tout de même, et c'est troublant. C'est troublant à quel point j'ai envie de défoncer. Eh ben, Anton Castillo, tout simplement, le dictateur. Et donc, pour être très honnête avec vous, j'ai aussi vu la progression du jeu, là où on en est, à combien de pourcents on est, je vais pas vous le dire. Mais en fait, on n'atteindra pas les 50 épisodes, hein. C'est de toute évidence. Parce que, en fait, déjà, premièrement, alors, pour cet épisode, je tenais à vous le dire, n'oubliez pas le pouce bleu. Aujourd'hui, pour cet épisode, comme promis, on va s'attaquer aux bases des FND. On va commencer par l'usine d'acide de Mackay Global. Parce qu'en plus, on est juste à côté, je me suis mis à la station satellite de Roca Pequena. Donc, on va s'occuper de ça. On va pas forcément faire des chasses au trésor aujourd'hui. On fera peut-être celle d'à côté. Mais je pense qu'avant la fin de cet épisode, on ira quand même retrouver nos amis de la morale pour continuer nos opérations. Parce que, ben, je veux faire traîner la série, mais en même temps, j'ai pas envie de la faire traîner pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que dans le dernier épisode, on s'est amusé. On a fait des bonnes chasses au trésor, mais il y avait des missions, par contre, qui nous ont... Enfin, qui n'avaient juste aucun rapport, quoi. Et ça me plaît pas. Et je préfère, voilà, terminer le jeu, limite, et en profiter plus tard à faire des missions secondaires qui servent à rien. Mais plutôt, voilà, continuer sur cette trame principale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va y aller, direction la base des FND. Et donc en gros, pour vous dire, voilà, la série, on se rapproche tellement de la fin et ça me donne les frissons de vous en parler, je vous jure, d'avoir vu cette cinématique à nouveau de début. Et voilà, je sais pas à quoi va ressembler la fin, mais je veux qu'elle soit épique. Je veux qu'elle soit épique et surtout, je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne à tout prix. Et voilà, je peux vous dire que cette série me touche particulièrement et ça me fait vraiment trop plaisir. Vous pouvez compter sur moi, c'est-à-dire qu'à la fin de la série, je vais faire 15 minutes, non peut-être pas, mais 10 minutes de remerciements, quoi. C'est obligé, c'est obligé. Et toi-même, là, qui regarde cette vidéo, vous tous, vous faites partie des gens à remercier parce que... Mais vous êtes d'une fidélité irréprochable. 43 épisodes, vous êtes toujours là. Il y en a qui commentent pas. Il y en a qui mettent pas de pouce bleu, mais il y en a aussi qui commentent et qui mettent des likes. Et peu importe qui vous êtes, peu importe, vous êtes là depuis les 43 premiers épisodes. C'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Voilà, je vous en remercie et je le referai à la fin. Mais voilà, se dire qu'on va arriver à la fin de cette aventure, putain, ça me fait vraiment quelque chose, ça me fait bizarre. C'est une des rares fois, une des premières fois que ça m'arrive. Parce que j'ai jamais vraiment fait de let's play sur ma chaîne. Si ce n'était The Forest, si ce n'était... Green Hell, mais c'était pas pareil. Je sais pas, c'était pas pareil. Là, on est sur Far Cry, en plus c'est une licence, ben, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, merci d'être là les amis, et n'oubliez pas le pouce bleu. Clara, je viens de trouver une grosse usine à LST. Je sais pas ce que c'est, mais l'odeur est hyper corrosive. Sûrement l'une des usines d'acide du gouvernement. Idéal pour fabriquer du gaz toxique pour faire disparaître les parias. Danny, va vérifier si des otages y sont retenus. Cette caméra doit disparaître. Ah, c'est ultra bien sécurisé, ça va être la merde. Alors, je vous rappelle que dans le dernier épisode, on a eu un nouveau amigo. Mais j'ai... Vous savez que les amigos, ils ont tendance à tout faire capoute. Ils ont tendance à tout faire capoute, et pour cette raison, Oluzo... Oh, il manque juste plus que Chicharron. Je suis sûr qu'en faisant un combat de... Parler à Reinaldo à la ferme Alvarez. Ouais. Faudra faire un combat de coq. Hein. J'insiste, mais on le fera. Hein. Même si ça sert à rien. On en fera un, quoi qu'il arrive. Bref, je le renvoie. Ah. Il y a des collègues qui surveillent un petit peu ce qui se passe. J'ai entendu de sacrées histoires à ton sujet, Danny. C'est gentil, ça. Fais chier. El Tigre était un exemple pour nous. Eh oui, El Tigre. Bon, il y a beaucoup trop d'alarmes, beaucoup trop de pièges, beaucoup trop de caméras. Il y a un animal.
Ah mais c'est mon amigo qui vient de partir, d'accord, très bien. Par contre, j'ai, vous savez, j'ai mon Supremo que je vais pouvoir utiliser, qui va me permettre de déceler tous les gens qui sont à couvert. Mais du coup, j'ai plus de sniper. Ok. J'ai une idée de dingue. J'ai une idée de dingue. On va remplacer mon pistolet. On va remplacer mon pistolet par... Ah bah je peux pas. Bah non, je peux pas. Je voulais le remplacer par mon sniper. Ah putain, parce que j'aurais voulu vraiment garder la Varita. Ah bah... Le RPG, j'en ai pas besoin là. Parce que la MP7, faut que je la garde. Hein, parce que quand ça part en couille, j'en ai absolument besoin. Je vais utiliser mon... Alors oui, c'est vrai que j'ai des vrais snipers, mais moi, vous savez que... Moi, je suis amoureux de mon arme de prédilection là. Elle est où? Oh, c'est laquelle? C'est celle-là? Attendez. C'est pas ça? Mais non, mais attendez. Elle est où mon arme? AKM Fall. Attendez. Ça y est, je suis en panique. Ah bah voilà. Moi j'ai eu peur, c'est la Fall. Oh mon dieu. Voilà. Bon du coup c'est plus au même endroit. Ce sera bien plus simple. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal vraiment? C'est juste un animal qui vient foutre la merde. Allez, on essaye. De toute façon, ce n'est qu'une tentative. Hein. Si jamais je la foire, on recommencera parce que il faut pas partir défaitiste. Mais j'ai un petit peu peur. Je sais pas si on va y arriver du premier coup. Ok, reste sur tes gardes, Danny. Allez, je désactive l'alarme manuellement. Comme ça, je limite tout risque. Essayez d'appeler des renforts. Encore deux alarmes. Vous l'avez bien vu, on retient. Ok. Cognon. Des fumigateurs. Lui, c'est fait. Les caméras me font un peu chier. Attends. Voilà. Adieu les renforts. Encore une alarme. Là-bas. La dernière alarme. Elle est à l'intérieur. Oh, je la vois. Attends, il y a moyen de faire un truc, mais on va se faire cramer. Mais en vrai... Oh les gars, il y a moyen de tenter un truc. Oh, je suis trop fort. Mais sucez-moi. C'est bon. C'est bon les gars. Je suis juste un boss. Alors il doit rien comprendre. Voilà, il a peur, voilà. Mais il n'y aura pas de renfort. Je suis un boss. Un médecin de garde. Toi, tu lui feras pas de mal. Ça, je te le dis. Oh, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Alors... Oh, je l'avais oublié, lui. J'arrive. Je suis même pas encore cramé, en plus. Hein. C'est ça, le plus drôle. Je suis là, ma sœur. Merci beaucoup. De rien, beaucoup. De rien. Attendez, il y a encore un ennemi là, non? Ah, mais c'est le machin au-dessus. Ok, ouais, on s'en fout. Bah, il reste plus que deux gars. Hein. Deux gars qui me cherchent. Excellent. Même pas, il me cherchait pas, lui. Il y en a qu'un seul qui me cherche. Merde. Voilà. Allez. Et encore peut-être une dernière personne. Et entre nous, je suis quand même devenu bon. Hein. Et heureusement. Il est où? On va prendre un petit peu de hauteur. Ah, il doit être là-haut. Voilà. Allez, ça c'est pour vous les amis. Ça c'est pour vous. C'est parce que vous m'avez régalé. Alors ce qui est génial, c'est que cette musique, souvenez-vous, au début, je l'aimais pas trop. Enfin, cette version-là, je parle de la musique, je l'aimais pas trop. Et là, le fait d'avoir de nouveau eu l'original tout à l'heure,
Et ben finalement je l'apprécie un petit peu plus de nouveau. Ça me donne pas les frissons de la même façon, mais Qu'est-ce que t'as pour moi? Hola Dani. On prépare une embuscade histoire de montrer aux soldats de Castillo qu'il faut pas faire chier, Lesté. Aide-nous. Merci. Avec grand plaisir, Ching Chong. C'est pas raciste, hein. Non mais bon, voilà. Qu'on soit juste bien d'accord. Hop, les médocs. Allez-y doucement avec le guérillo. Les grands pontes nous tueront si on rate cette chance d'obtenir des infos et ils veulent l'interroger personnellement. Poster quelqu'un sur le chemin par lequel il est arrivé au cas où ses complices essaieraient de venir le sauver. Ok. Eh ben, ici, c'est chez nous maintenant. Et ça, c'est cool. Eh ben, les amis, on va enchaîner comme ça, voilà. Plusieurs bases, on va s'enchaîner les bases. Là, il y en a un ici. Le fort Santa Maria. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit tellement reculé? Et là, il y a quoi, là? Hôtel El Tigre. Dormido. Putain, mais je me souviens pas. C'est fou, j'ai la mémoire courte. Eh ben, venez, on va faire un... Il y a un canon anti-aérien, là? Genre, je peux pas me déployer ici. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? C'est le village, c'est quel village celui-là? C'est Gunda. C'est le village que j'aime bien ou c'est le village que j'aime pas? Je ne sais plus. La map est tellement grande, je suis perdu. Non, ah rien à voir. Ça c'est le village que j'aime bien. C'était le tout premier village qu'on a découvert, Verdera. Ça c'est le village qui me fait peur. Et ça c'est encore un autre village. Ah oui, donc c'est normal. On va y aller comme ça. Oh, je suis bête. On aurait pu faire ça autrement. Bon, c'est pas grave. Oh là là, je suis pas l'un des meilleurs là aujourd'hui. Mais enfin, je suis pas l'un des meilleurs. Pour réfléchir, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça reste quand même un gain de temps dans tous les cas. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Branche ton arme. Ah ouais. Ah oui, c'est là où on a fait notre propagande. Très bien. C'est à 1000 mètres. Eh ben, on va y aller alors. Par contre, là, il y a des coups de feu. Oh! Calmez-vous. Je suis là, mon frère. Tu peux repartir. C'est bien, t'as un masque. C'est important. Voilà. Bah, du coup, je vais vous prendre une voiture. D'accord. Merci. Allô? Voilà. Allez, on se casse. On se casse. On va suivre la route. Et on sera plutôt pas mal. Bon, les amis. Parlons sérieusement. Oh là là, ce coucher de soleil là. Magnifique sunrise. Par contre, t'as cru que j'allais faire tout un détour là ? J'ai retourné la bagnole. Bon, bah on va y aller à pied, c'est pas grave. On va passer à côté de l'aéroport. Très bien. Attendez, en plus il y a une moto là. Ça c'est super, un quad, encore mieux. Ah, on essaye tous les véhicules hein. Hop. Et genre le chemin s'arrête là. J'ai vraiment pas de chance. Salut ma soeur. J'ai vraiment pas de chance. Y a pas un bateau, un truc comme ça là? Ah bah si, y en a, mais c'est pas des bateaux que je peux prendre comme ça quoi. Ah oui, non mais là on pourra pas traverser là. Il vaudrait mieux que je fasse mon plan B. Si? Non, attendez. Tout n'est pas perdu. Eh franchement les gars. Non, y a moyen de traverser, non? Oh, je sais pas. Je me tâte. Parce que sinon là j'y serais allé en largage aérien, c'était ça mon plan B. Oh vas-y, c'est bon. Eh les gars, je suis désolé pour ce contretemps. Eh, ça fait durer l'épisode. Ça fait retarder un petit peu la fin de la série. Non mais concrètement, après, là on va faire toutes les bases DFND qui nous sont disponibles. On va toutes les faire aujourd'hui. Je vous le dis, on les fait toutes. Peu importe si la vidéo elle dure 2 heures, je m'en fiche complet. On les fait toutes. Et ensuite, on enchaîne avec une mission. C'est là que je dois aller, je reconnais. On enchaîne avec une mission principale. Enfin, avec la mission principale. Voilà. Je vous le dis. Et il est où le canon anti-aérien, là, du coup? Ce serait pas mal qu'on puisse se le faire, quand même. Allez, on y va. J'espère que on va réussir à traverser. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Bah, ça se trouve... Ah, mais ça se trouve, il y a un canon anti-aérien, justement, sur cette base-là. Et dans ce cas-là, c'est juste parfait.
Il nous manque plus que 100 uranium appauvri pour Juan, hein, je le rappelle. Donc ça, c'est cool. Vallée de Oro. Bonjour. Attends, où c'est que je pourrais me poser, là? Parce que là, j'ai déjà pas le droit d'être là. Clara, je suis près d'un vieux fort. Ouais, bah Clara, elle va attendre. Je suis là. Ouais, rappel, hein, ça a coupé. Clara, je suis près d'un vieux fort. Ça te dit quelque chose? Celui vers Segunda, c'est ça? Castillo s'en sert pour enrayer le marché noir. Ils ont attrapé un membre de Libertad. Vois si tu peux faire quelque chose. Ok, je vais essayer. Y'a pas de problème. Mauvaise nouvelle, Luis. Si tu te demandes où est passée ta chère petite Juanieta, on dirait bien qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a été transférée au site anti-aérien hier. D'après moi, c'est une grave erreur. Elle serait incapable de toucher un mur à plus d'un mètre. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle abatte un de nos avions. Mais peu importe, tu ne vaux pas mieux qu'elle. Quand vous aurez tous les deux été fusillés... quand vous aurez été tous les deux... Oh, bref, vous pourrez passer l'éternité ensemble. Pourquoi ça crie, là? Ah. Bah, j'ai le droit d'être là. Tu vas pas me faire chier. Ah, bien. C'est un peu de la triche, mais ça me plaît. Comme ça, on sait où sont les alarmes. Et ça, c'est cool. Ok, on a deux alarmes. Une juste ici. Oh, mais attendez, mais c'est trop facile en fait. On a les deux. Non, mais c'est génial. Besoin de soldats en plus ici. Voilà. Ça, c'est fait. C'est carré, pesé, emballé. Bah, venez, on fait des trucs stylés maintenant. Comment je descends? Eh, on va profiter pour faire les choses bien maintenant. Ah. Lui, il va m'empêcher de faire un truc rigolo. Et merde. Ah, couche-toi. Allez voir ce qui se passe. Mais y'a rien du tout, gros. Y'a R. Merde, ils ont... Ah mince, il l'a dit à voix haute. Descends. Je suis pas là. Bah c'est bon, de toute façon je peux prendre même P7 en vrai. Non, je sais pas. Alors, bonjour. Je me promène juste, hein. C'est moi. Viens m'aider. Tu l'as, frère. Gracias. Bon, ça se passe plutôt pas mal. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Moi, j'adore. Eh, il est grand ce fort en plus, hein. Ah oui, vous savez pas à qui vous avez affaire, ça tu fais bien de le dire. J'aurais pas dit mieux. Allez hop, on tag. C'est tout ce que tu méritais. Ouais, et c'est gigantesque. Oh, des clés, parfait. Tu es déjà allé à l'hôtel El Tigre, c'est le meilleur endroit pour se reposer en permission. Se faire sucer en buvant un cocktail, tu vas adorer. Ouais, voilà, très bien. Salut mon frère. Tu m'as fait peur. On fait plus jamais ça, hein. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau commandant sur notre base. Eh ben, bravo à lui, félicitations. En tout cas, il est mort. Qui est-ce? C'est moi? Comment je fais pour monter? Voilà. Il est où le mec qui me voit là? Ah, d'accord. Petit coquin, va. Ok. Ça s'ouvre pas. J'adore. Je sais pas où je suis là. Je me suis perdu, je vais pas vous mentir. Cible repérée, alors. Ouais, enfin repérer, c'est bien beau, mais enfin bon, faut neutraliser aussi, hein. Parce que repérer, c'est cool. Voilà. Yala.
Oh, je voulais faire un truc rigolo, ouais. Ouais, il y en a plus qu'un. Oh, il doit être là-dedans. Ah bah. Voilà. Ça, c'est réglé. Pour notre plus grand plaisir. Oh oui. Yeah. Yeah, yeah. Ouais, c'est une des dernières fois que je vais le faire, de toute façon. Alors, otage sauvé, bien sûr. Franchement, ça déchire, ça déboîte. Ça décapite, ça décapote. Du coup, toi tu veux me parler. Si t'es aussi stressé que moi, tu devrais aller voir le docteur Yanni Dabalos. Il est vraiment doué, tu peux me croire. Merci, c'est sympa. Histoire de Yara, vous voyez, c'est encore les petites missions secondaires qu'on a fait dans le dernier épisode qui ne sert à rien. Bon là, remarque, ça a l'air d'être un psy, donc ça peut être assez sympa. On pourrait faire ça une fois. Maintenant, il faudrait trouver, vous savez, cet accès justement. Il y a une petite porte à quelque part avec des petites surprises. Où c'est que c'est ? Ah bah ça doit être là. Non, on était déjà là. Elle est où cette putain de cache? En bas. Ok, elle est en bas. C'est ici? Voilà, parfait. Magnifique, poudre à canon. Nickel. Là on est carrément carré. Il y a un petit sac à récupérer. Je défonce toutes les portes, je suis énervé. C'est là. Voilà, bombe de peinture. Bah c'est super. Bah très bien. Eh bien on va enchaîner sans perdre plus de temps. Oui, le canon anti-aérien qui a été dévoilé. Eh ben on va s'en occuper aussitôt. Alors le problème c'est que pareil, pour traverser c'est d'un relou. Donc autant y aller en largage aérien. Bah non, en fait on va se TP ici. On va se TP au poste de contrôle. Et on va y aller comme ça. Et comme ça, cet endroit sera carrément sécure dans le ciel. Et ça, ça fait plaisir. Ah, il doit rester, je pense. Là, je crois qu'on doit avoir encore 5 bases au total à faire de connu, je veux dire. Hein. C'est-à-dire, attendez, laissez-moi vérifier. Journal, cible militaire. Non, il n'y en a que 3. Ah, bah d'accord, ça va aller plus vite que prévu. Donc là, il en reste plus que 3 de connu. Évidemment, au fur et à mesure de cet épisode, on pourra très bien encore en redécouvrir. C'est pas la question. Mais là, en tout cas, on en a 3 en objectif. Hola, Dani. Salut. Hola. Hola. Oh putain. C'est vrai que ça se contrôle pas, ça, j'avais oublié. C'est infâme, ça. Oh, ça m'avait pas manqué, ce véhicule. Ça faisait longtemps. Mais merde. Vous non plus, je suis sûr que ça vous a pas manqué. Allez. Hop. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Incroyable. Bonjour. Voilà. Bonsoir. C'est normal que ça ait explosé ? Un chien. Bah. Je pense que c'est pas normal, ça. Pourquoi ils viennent vers moi ? Non mais moi, c'est pas moi, hein. Moi j'ai rien fait, hein. Non mais que les choses soient bien claires. Bon, c'est bizarre. Allez, allons-y gaiement. C'est vrai que dans ces phases-là, j'ai même pas besoin de mon supprimo. Ça aurait été sympa d'utiliser en action. Ok, bah... Ah, la tour, elle est là. Let's go, hein. L'uranium appauvri, il est là. Formidable. Doudoudou. Ah, mais du coup, j'ai plus le lance-roquette. Oh, c'est dommage. Bah, et entre nous, et voilà, je voulais essayer, mais en vrai, entre nous, qu'on se le dise, hein, de vous à moi, de moi à vous, la Varita, elle va me servir à rien. C'était bien dans le dernier épisode pour l'occasion. Oh, attendez, venez, on essaye autre chose, non? Lance-roquette. Attends, c'est le RPG que j'utilisais à chaque fois. Et ça, ça fait quoi, ça? Ah, mais c'était les guidés. Oh, la flemme. Par contre, ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est sympa, ça. Lance-roquette en or, frérot. Attends, viens d'abord, on élimine... D'accord. Merde. Je suis une salope.
Oh putain, je suis dans la sauce. Arrête! C'est pas ce que vous croyez! C'est pas ce que vous croyez, monsieur, dame! Ouah! Ah oui, d'accord. Allez, l'uranium. Ça, c'est pour nous. On dépouille les corps. Et le petit RPG en or. Oh, il est magnifique, hein. Allez, hop. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé, ça, c'est carré. Il est trop beau, ce lance-roquette. Wow! Magnifique. Bah alors elle a rien compris. Bah on est pas mal là. On est pas mal, venez on s'amuse un petit peu ici. Alors où est la prochaine base? La prochaine base, ah il y en a une là. Allez c'est parti, la raffinerie de sucre Dulce. Allez on va aller par là-bas mais d'abord. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est complètement con. Complètement con. On s'amuse comme on peut, hein. Merde. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Il est vrai. Ah bah il abandonne. Bon après il a raison, il va se planter hein. Bon allez. Ça c'est fait. Ah non il se pose. Putain j'ai envie de m'amuser là les gars, j'ai envie de m'amuser. En plus il y a une cache à récupérer là. Il y a une cache à récupérer. Et moi ça m'excite. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je te vois l'ingénieur. Complètement con lui aussi. Il regarde même pas dans la bonne direction ouais. Il sort d'où lui? Malade. C'est comme ça qu'ils appellent des renforts eux. Mais y'a tout qui pète. C'est même pas de ma faute hein. Comment on monte? Je suis aveugle ou quoi? Oh y'a un... Bon bref les gars, excusez-moi. Ah mais attendez, on peut pas monter là? Non. Et on s'amuse comme on peut. Hein. Allez on... Est-ce qu'on peut se TP là au moins? Oui on peut. Allez, bah on va faire un petit largage aérien. Direction la prochaine base. DFND. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Hein. Vous m'excuserez. C'est vrai que je suis un petit peu cruel. Mais j'espère que ça vous fait kiffer. De toute façon, c'est pour temporiser. Hein. Il nous reste plus que 3 bases. Allez. Par contre, c'est très très chiant parce qu'on sait jamais où il faut aller là. Par là. Allez, c'est parti, mon kiki. 500 mètres en avant toute. On va avoir du sucre gratuit et tout, c'est trop bien. Ça, ça me plaît. Wow. Oh, on a de la belle hauteur là en plus. Hop. Oh lolololo. Oh. Je crois que là, j'attaque un petit peu du lourd là, non? En vrai. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais c'est chaud. Bah j'ai pas le choix, il faut que je me rapproche hein. Alors doucement, doucement, doucement. Oh putain. T'es débile hein ma parole. Allez glissade. Alors où c'est qu'il serait le machin là pour révéler les... Il est où l'ordi? Je ne sais pas. Là-haut. Parfait. Qu'est-ce qui lui arrive?
Bah elle est morte. Ça va? C'est la première fois que c'était quelqu'un de gentil qui s'est transformé en méchant à cause du poison. Je ne sais pas. Allez, montons. Clara, je vois une raffinerie de sucre truffée de soldats. Oui, ils l'ont converti pour moudre le tabac qui sert à produire du viviro. On l'a attaqué, mais l'un des nôtres s'est fait capturer. Je vais tâcher de le retrouver. Ça marche. Par contre... Sniper en poste. Ah non, je croyais qu'ils étaient en alerte. Mais... Désactivons l'alarme. Lui, il est en alerte, hein. Bizarre, hein. Bon, on a une alarme là. Un sniper. Ok, on va... Il est où l'ordi? Il est là-haut. Allez, mon frère. Régale-nous. Dis-moi combien il y a d'alarmes. Je dirais 3. Bah, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Oubliez les renforts, salopard. Encore une alarme. On m'a menti. Ah, j'avais pas vu. Elle est à l'intérieur. Ok. Il faut qu'on rentre. Mais pourquoi ça gueule? Bon, lui, il cherche quelqu'un. Ça pourrait être marrant de lâcher ces bêtes. Ouais, ça peut être une bonne idée. Celle qui crie. Ok, ça peut être une bonne idée, mais d'abord... Là, si je prends la tyrolienne, je suis mort. Hein. Non, lui, il est en alerte, là, c'est pas possible. Ah, les gars, ça y est, ils ont cramé l'alarme. Ils ont cramé l'alarme. Ça y est, ils sont tous en alerte. Bon, bah, les gars, ça sert plus à rien d'attendre, on y va. On va désactiver la dernière alarme. Vas-y, saute. Voilà. En plus, le jour se lève. On va désactiver la dernière alarme et après on va foutre le bordel. On peut passer par là. Ok. Attention, Danny. Là, je suis sous tension. Elle est en haut, l'alarme. Toutes les alarmes sont désactivées. Aïe! Ah, dommage! Ah, j'aurais voulu faire autre chose. Allez-y, venez! Vas-y, j'ai envie de libérer le jaguar. Il est l'heure. Il est l'heure de libérer le jaguar. Vas-y, bébé. Régale-toi. Trop facile. Ça y est, le jaguar, il est énervé, là. Oh. Oh. Merci. Pas de problème. Très bien. Attendez, il y avait un truc à faire encore. Oh non, le jaguar! Eh, c'était pas pour ça, hein. Il est où le point d'exclamation? Je sais pas. Là. Parfait. Bon, allez, viens. On va défoncer tout le monde. À la one again! C'est pas fini! Ah si, c'est fini. Le dernier, il est là. Bordel. Hop. Terminé. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'éclate sur ce jeu, bordel. Bordel de cul. Vachement bien, Far Cry 6, hein.
raffinerie de sucre. Bio Vida, c'est terminé les gars. On arrive sur la fin. On arrive sur la fin, bordel. Quel bonheur. Et qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer là? Attends, toi tu veux me parler. Toi tu veux me parler, c'est sûr. Non, c'est pas toi qui veux me parler. Toi là-bas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, frérot? Toi? Qu'est-ce que tu oui, peux me dire? Toi, Danny, j'ai trouvé un autre canon du réseau anti-aérien oui de l'armée. Je te le marque sur la carte. Parfait. Merci. On enchaîne, c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier pour l'uranium appauvri. Il est où? À chaque fois, je suis trop rapide. Voilà. Ah bah, il est tout là-haut, juste à côté de cette base. Et on a encore une base là. Et après, c'est fini. Et bah, c'est super. Mais d'ailleurs, juste, je crois qu'on a tous les avant, tous les postes de contrôle. Je crois qu'on les a tous. Hein. Il me semble que, à moins que, par exemple, ouais, il peut très bien y en avoir un là, par exemple, un poste de contrôle, c'est vrai. Mais sinon, on a la majorité. Bah, du coup, on va aller là. Hop, de ce pas, on se téléporte, bam bam. Et ensuite, on montera tout en haut, on va découvrir cette nouvelle région, parce qu'on n'y est encore jamais allé. C'est juste à côté d'Esperanza, en plus, donc là où le jeu se terminera. et on se fera le site anti-aérien, tout ça, et oh là là, c'est une dinguerie. Cet épisode est plutôt sympa, n'hésitez pas à noter en commentaire mes skills, parce qu'en vrai, je m'éclate plutôt pas mal, hein, en réalité. Bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, c'est carrément sur un quai de je sais pas quoi. Hola, oh, Danny. Salut. Garde espoir. Eh oui, toujours garder espoir. Très important. Bah, surtout que là, on est quand même sur la fin, quoi. Ce serait quand même débile de perdre espoir maintenant. Bah, je pense qu'on est tous bien d'accord. Bon. Bienvenue dans les docks. Plongeons. Hop, les poignets fracturés. Comme d'habitude. Ah tiens, on va peut-être remonter à la surface, oui, c'est une bonne idée. Allez, hop. Putain, on est juste à côté d'Esperanza. De quoi bien mettre la pression au dictateur. Maintenance maritime de Yara. Là, on fait ce qu'on veut, on est chez nous, là. Là, on est chez nous. Ouloulouloulouloulou. Et eh bien voilà. Ah. De quoi se faire plaisir. C'est de plus en plus corsé par contre. Hein. Je dirais qu'il y a deux alarmes. Oh, il y en a trois. Il y en a putain de trois. À l'intérieur, à l'extérieur. Et à l'extérieur, je pense. Je pense qu'il est à l'extérieur, lui. Mais celui à l'intérieur, il me fait chier. Alors, toi, je t'ai vu. Très bien. Tu veux pas passer un petit coup de fil à Clara, là? Oh là là, le sniper. Et en vrai, je pense pas qu'il soit très compliqué, celui-là. Hein. Mais faut pas sous-estimer. Hop. Aïe. Ah, voilà, le petit coup de fil, quand même. Clara, j'approche d'une case sèche militaire. T'as des infos? Non, mais j'en veux bien. Essaie de trouver un ordinateur. Toute information est bonne à prendre. Pas de problème. Aucun médecin ne saura. Oh, ils sont nombreux par contre. Hein. Ils sont plus nombreux que ce que je croyais. Ok, l'alarme est bien à l'extérieur. Du coup, j'ai deux alarmes que je peux faire. Con. J'ai failli tout faire capoute. Hop. Vous inquiétez pas. Hein. On prend notre temps. Rien n'est pressant. D'ailleurs, si vous avez envie de faire pipi, n'hésitez pas à faire des pauses, hein, bien évidemment. Alors, la deuxième alarme. Ah, lui, il va me faire chier. Lui, il va me faire chier. Moi, c'est celle à l'intérieur qui m'embête. Bon, allez. Oubliez les renforts, salopard. Eh, on va faire le tour. Y'a un piège, là. Y'a un piège. T'inquiète, c'est rien, ça. Bon. Voilà.
je peux monter là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh putain. Ah, ils ont l'air de s'en foutre pour les caméras. Chose qui est plutôt cool. Pour les caméras, pour l'alarme. Ok. On n'a pas une vue là? Ah non, la cam, elle est. Il faut que j'aille de toute façon. Faut que j'arrête de dire cam, hein. C'est des alarmes. Ok. Je suis pas serein du tout. Magnifique. 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 Ok. Allez, hein. Voilà, j'ai pas le choix de rester accroupi. Oh. Bon, j'ai pas la clé. Ok. Bonjour. Ouais. Ça, c'est vraiment pas nice. Ah, il m'entend. Ok. Je vais pas vous mentir, je commence à paniquer, hein. Allez, on y va, là ça a l'air safe. Yes. Voilà, c'est bon. Allez hop, on peut y aller. Et en plus c'est secure. Et ça c'est formidable. Allez, on rentre au poste de contrôle direct. On va s'occuper de ces ordinateurs là. Attendez. Ok, ça c'est des commandes. Très bien. Là. Bon, ok. Formidable. Allez, on se connecte. Ça va sinon, vous avez pas remarqué qu'il y a une infiltration là? J'adore. Ah voilà, 33%. En fait, j'avais pas suivi le machin, j'avais pas vu. Bon bah, plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre. Ah, lui. Attendez, on va s'amuser. On est là pour s'amuser ou pas? Ah, ils ont commencé à trouver les corps. Venez, on s'amuse. On est là pour s'amuser, hein. Hop. Je me demande ce que ça ouvre. Eh, j'ai récupéré ces clés en plus. Je sais très bien où ça ouvre. Bah, on va récupérer tout de suite la caisse. Attends. Hop. Merde. C'est pas grave. Parfait. C'est bon. Voilà. On a récupéré ce qu'il nous fallait à l'ordinateur. Là, on va ouvrir ici. Ah, c'est là où qu'il faut aller. Je me disais bien, ça me paraissait bizarre. Voilà. De la poudre à canon, comme d'hab. Je dois fouiller l'ordinateur. Mais on l'a fait, là. Tu déconnes. Faut y retourner, là. Attendez, il reste encore un mec en vie. Ah, mais oui. Il en reste encore au début. C'est vrai que je les ai pas tués. Ah, pourquoi toujours être aussi cruel? Bon, allez, on va s'en occuper. Eux, ils ont rien compris à ce qui se passait, mon pote. Je vais leur montrer. Bon, si jamais, les gars... Merde. Voilà. Et le dernier, attendez, comment on pourrait faire ça rigolement? Ah, j'avais pas vu, il m'a même pas cramé. Attendez, il faut faire un truc rigolo. Il faut faire un truc rigolo là. Oh, on est là pour se marrer un peu, non? Ah bah il cherche d'où vient le bruit, attendez, je vais lui montrer. Il reste plus que lui, c'est trop drôle. C'est trop drôle.
à la one again. Pourquoi ce monde est si cruel? Me diriez-vous? Eh ben je ne sais pas, c'est parce que le monde m'a forgé ainsi. Regardez, on voit juste la ville d'Esperanza à côté. Et ça, c'est incroyable. Hop, les renseignements également, tout a été téléchargé. Carla, elle doit me kiffer de ouf. Et ça, c'est cool. Ok. Mince, qui veut me dire quelque chose? Étant donné que je suis le king, n'hésitez pas à me parler. Toi, tu veux me parler. T'as des infos pour moi? L'armée de Castillo a capturé l'un des nôtres. Il est prisonnier à la cathédrale La Divinidad. Essaie de libérer notre camarade. Et l'église aussi. Merci mille fois. Oh là là, on a une nouvelle cible. On a une nouvelle cible. Et c'est carrément à l'intérieur de Esperanza. Mais bien sûr qu'on va s'en occuper dans cet épisode. Je vous ai dit que dans cet épisode, on fait toutes les bases des FND qui s'offrent à nous. Hein. Là, ça va partir en couille. Mais on va commencer par là. D'accord, si t'en tiens à rien, on va se téléporter à la planque et on va y aller à pied. On va découvrir cette dernière petite partie qu'on n'a pas encore explorée. Et puis on va enchaîner les deux bases qui nous restent pour le moment. Voilà, j'espère que vous kiffez. C'est vrai que c'est tout le temps la même mécanique, mais moi ça me plaît. Alors c'est vrai que je sais pas vous, je l'espère en tout cas. Parce que je repense beaucoup à Lydid. Parce que voilà, c'est un petit peu mon crush. Non, mais je repense beaucoup à Lydid. Lui, ce qu'il reproche... Quoi, par ici. Attends, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu sais? Pour moi, Freddy est le meilleur joueur de baseball du pays. Juste après son père. Quelqu'un a volé tout le matériel de son paternel. J'en ai rien à foutre. Lydid, ce qu'il reprochait, mais après... Enfin, je veux dire, c'est Far Cry, c'est que ce soit tout le temps répétitif, le fait de capturer des machins, des tatactiques, tatatata. Moi, c'est ce qui me plaît. Par contre, vraiment... Parler à Lorenzo, machin, vous savez, la mission? Non, en fait, je ne veux pas. On s'en fout complet. On s'en fout complet de Lorenzo. Eh bien voilà, on va y aller en cheval. Et on va y aller même avec la licorne. Wow. Vous avez vu? Elle va Allez. Mieux. Allez, c'est parti. En avant toutes. Toi, t'as rien à craindre. On va défoncer tout le monde avec cette corne aussi dure qu'un bâton de fer, bien évidemment. Comme ma bite quoi en fait, hein, concrètement. Allez. Résidence des forces spéciales des FND. Lara, j'ai trouvé une base militaire. J'y ai fait une partie de mon entraînement quand j'ai été appelée. Infiltre-toi, télécharge des infos et récupère des ressources. Montre-leur de quoi est capable Libertad. Ça marche. Oh yes. On s'improvise une nouvelle base. Ah bah non, pas du tout. Mais non, c'est la base qu'on va faire après. En fait, j'avais pas vu que c'était aussi rapide. J'ai rien dit. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Génial. On va s'en occuper juste après. Oh! Paf dans ta gueule! Allez hop. Vas-y, Malicorne. T'es la meilleure. T'es la meilleure. Enfin, je dis t'es la meilleure, mais c'est un mal, non? Ah! Vas-y. Oh. Oh, il s'est pris pour Yakari, hein. Mais non. Tout va bien. Alors, attends, il y va tout seul. Du coup, qu'avons-nous là? Mais y a personne. Mais y a personne. Ah mais si, ils sont tous les trois là, les cons. Ah! Mais ils regardent jamais au bon endroit, ils sont bêtes. Il y a quelqu'un. Range-moi cette arme, vite. Qu'est-ce que je viens de te dire? Vous avez vu la qualité de ce jeu? J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance alors qu'en vrai... c'est trop drôle ce qui vient de se passer en vrai. C'est trop drôle, c'est trop débar. Bon, regardez bien, ça va aller très très vite. Moi j'ai pas le temps pour vos conneries. Alors, vous savez d'où ça vient ou pas? Parce que là, ils vont chercher. Alors que la meuf, elle m'a très bien vu. Tu vois, ils savent pas d'où ça vient. C'est excellent. Oh, la collate. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Bah voilà. Ils sont tous morts. C'est incroyable. J'adore ce jeu.
Allez, on a tous les uraniums normalement qu'il nous faut pour Juan. Donc ça c'est cool. Et nous on va ça. Voilà, c'est sa suprématie, on pourra s'en occuper. Oh, trop mignon. Waouh. C'est un bon toutou. Allez, ça. Je passe à travers la grille. Je suis trop fort. Est-ce que je peux éventuellement, du coup, pour de vrai, passer à travers la grille? Tu me bloques? Ok, j'ai compris, j'ai compris. Faut que je fasse le tour, quoi. Eh ben, on va aller à la base des FND, les gars. Ça va juste être incroyable. Allez, viens, ma sœur. Allez. On y va. C'est parti, c'est bon. Mon kiki. Tout va bien. À la one again. Arrête. Paf, dans ta gueule. Eh ouais, on tire pas sur les civils, hein. Alors, de retour. Vamos. De retour. Allez. Je me demande par où on pourrait rentrer. Bah par là. Ça peut être une bonne idée. Toudou. Mais attendez, mais non, mais c'est pas là, si. Ah mais non, je peux rentrer. Ah, il faut que je rentre. J'ai le droit d'aller là, non? Mais ouais, j'ai le droit d'aller là. Formidable. Vas-y. Ah, tranquille. Oh bah ça le fait. Ça va être easy peasy ça. Oh bah oui. Alors, il y a un gars là. L'artillerie lourde. Voilà. Qu'avons-nous? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, caméra. Ok, caméra là aussi. Merde, une caméra. Arrête d'être vulgaire. Là. Un sniper. J'ai bien fait d'avoir vu. Parce que lui va me causer du tort. Lui va me causer du tort. Mais comme il est teubé, il m'a pas vu. Il y a une caméra. Regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer, ça va aller très très vite. Il va falloir faire gaffe. Ouais. Là j'ai bien failli me faire foutre. Ah, c'est pas aussi facile que ce que je croyais, hein. C'est pas aussi facile que ce que je croyais, hein. On va devoir faire ça autrement. Ouais, non, mais là ça marchera jamais, je vais me faire cramer pour rien. Attendez. Ça y est, je panique. Voilà. Trop naïf. Trop naïf. Vous savez quoi, je vais peut-être utiliser mon Supremo, non? Mais j'ai peur, parce que c'est un Supremo discrétion. Ok. Ça peut me servir. Carrément. Encore deux alarmes. Oh ouais, c'est la merde. Ah ouais, c'est la merde. Oh, trop bien. Ok, je parle pas trop, hein, vous m'excuserez. C'est bon, ça marche. Ok. Ok. Est-ce que je monte ou pas? Oh là là. Je suis vraiment excellent. Ok, j'ai été cramé. J'ai entendu crier. Je sais pas où sont les alarmes, c'est terrible. Encore une, mais je sais pas où elle est. Faut vraiment pas que je me fasse cramer pour le coup. Faut vraiment pas que je me fasse cramer pour le coup. Faut que personne crie.
Ok, j'ai réussi à avoir les infos sur l'ordi. T'inquiète, tu la regardes. Ok, lui, il s'en fout. Elle est où la dernière alarme? Oh putain, bien joué. Essayez d'appeler des renforts. Voilà. Eh, franchement, on est pas trop mal, hein. On est pas trop mal. Qui est là? C'est moi. Voilà. Eh ben, on va s'occuper des derniers. Je suis vraiment trop con, moi. Je suis vraiment trop con. Oh, c'est pas bien grave. Bon, lui, du coup... Attends, il faudrait que je me le fume, lui, là. Faut que je le fume. Viens par là. Voilà. Tout aussi simple que ça. Non, mais j'étais en détresse. En fait, je pensais que c'était un mec et tout. Et en fait, c'était la tourelle automatique. Et ça, c'est terrible, les tourelles. Hein. J'ai du mal, hein. Et ça, c'est fait. Donc là, les amis, plus qu'une seule base, pour le moment, en tout cas, là. Et en plus, elle est dans Esperanza, donc vraiment, ça va être la plus dure qu'on ait faite, hein, je pense. On va voir. On va voir. Attendez, c'est pas fini. Voilà. Parfait. Vasquez a raison, je ne suis pas assez bien pour les forces d'élite. Je suis trop faible pour protéger ma famille. Je n'aime pas assez Castillo. Je suis trop stupide pour être un vrai Yaran. Mais je ne renoncerai pas à ma vie et je refuse de me faire à nouveau tabasser au milieu de la nuit. Et si vous ne me laissez pas quitter le camp, je trouverai un autre moyen de partir pour toujours. Georges. J'espère qu'il a réussi à partir. J'espère pour lui. Hop. Formidable. Quelqu'un veut me parler? Non, c'est bon. Il commence à me faire chier, Lorenzo. Attendez, il y a encore un truc à récupérer, voilà. Mais je vais récupérer ça, voilà. Allez, direction. Hop, non, direction ici. La base, la cathédrale. Bah on va y aller, on va y aller à pied. On va se téléporter, on va y aller à pied, voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Eh ben franchement, on s'en sort plutôt cool. On s'est pas trop fait cramer. Jusqu'à présent, bah aucune alarme n'a été activée. Alors, parlons pas trop vite comme dit. Parce que là, ça peut totalement arriver, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, on range notre arme parce qu'Esperanza, on ne rigole pas. Ah oui, là, on est au refuge, là, à l'orphelinat, ouais, c'est ça, ouais. On est à l'orphelinat. Que de souvenirs. Mais comment on sort, du coup, de l'orphelinat? Ah, voilà. Puis il y a une voiture, mais c'est formidable. Let's go. Magnifique caisse. Et ça, franchement, une voiture comme ça dans la vraie vie, je suis heureux. Hein. C'est même presque mieux qu'une 206. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Par contre, il prend toute la route, lui, là. Hein. Zone E2. Putain, il marque les... Il fait quoi? Pourquoi tu recules? Qu'est-ce qu'ils font? Trop bizarre. Ça va être incroyable quand on va terminer le jeu là. Enfin, quand on va terminer le jeu. Parce que c'est sûr qu'il y aura des phases qui vont se passer ici. Genre, ça va être incroyable en vrai. Bon, ce qui est bien, c'est que la base n'est pas dans une zone interdite. Ces guerriers ont besoin de renforts. Ah! Une embuscade. Ah, oh, attendez les gars. On dit pas non à une embuscade, non? Ça va, les frérots? Une, deux, trois, quatre. Mielle. Regardez bien, ça va aller très vite. Oh putain, magnifique! Elle était magnifique, celle-là. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Comme d'hab, j'ai tout fait tout seul.
On récupère la cargaison. C'est tout pour moi. C'est Bibi qui régale. Allez, salut à tous. Et on récupère la cache, bien évidemment. Des FND juste ici. Et voilà. Ni vu ni connu, regardez. Eh, il s'est rien passé. Allez. On va les laisser se débrouiller un petit peu. Comment? Non mais attendez, maintenant en fait on peut pas y aller. Ah si, c'est bon. Eh non. Ah oui, c'est quand même dans la zone interdite. Ah oui, il faut traverser. Ah oui, j'ai pas le choix de faire le tour. Ok. Oh mon dieu. C'est complicado. Hein. Ok. C'est d'une tristesse. J'ai le droit d'aller là? Eh, il m'a mis un de ses coups de pression. Ah ouais, il tire à vue, hein. Il a rechargé direct, hein. Ah ouais. Oh, un corrompu. Eh hey, viens par là. Dis-moi ce que tu sais. Va là-bas pour récupérer nos ressources. Fais-en bon usage, camarade. Merci bien. Toujours. Merci, frérot. Ok, là, il fait une petite fouille. Tout va bien. Je vais peut-être continuer sur la route principale. Hein. Je suis pas très très serein dans les petites ruelles. Hein. Je suis pas très très serein dans les petites ruelles. Mais c'est ultra stylé. La loi martiale est en vigueur. Tous les citoyens sont désormais sous juridiction militaire. Faut que je continue de passer par là. Pour m'approcher le plus près. Sans trop faire de la merde. Attends, là on va rester tranquille. Là là là, je me balade, je me balade. Qu'est-ce que tu fous ici? Mais je me promène! Ah, par contre, des fois, c'est abusé. Hein. Après, c'est comme dans la vraie vie, je pense. Enfin, disons que bon, ça reste une dictature, quoi. Libérément de fausses informations destinées à perturber l'ordre social s'exposera à de graves poursuites. Voilà. Ça va, on s'y rapproche. Parc d'Iselda. Oui, on découvre des nouveaux endroits. C'est mignon. Le petit parc, là, c'est... C'est cosy. J'ai envie de la buter. Hop, c'était pas moi. Hein. Je suis recouvert de sang, mais c'était pas moi. Hein. Non, 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 non. Il va voir le corps, il va rien comprendre lui. Hop. Alors, bon déjà on a pu arriver jusqu'ici sans problème, ça c'est cool. Waouh. Clara, je suis à la cathédrale. Et elle est aux mains des hommes de Castillo. Merde. L'un des prêtres hébergeait certains de nos guerrieros. Le père Diego doit être retenu en otage. Je sais ce que j'ai à faire. Ah ouais, non mais là... Je vous le dis, hein. Ça va être la plus difficile, hein. Ça va être la plus difficile et dans tous les sens du terme, hein. Mais regardez bien. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. On va se balancer. On va aller là. Lui il va me faire chier. Lui il va me faire chier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas c'est quoi ce bruit, c'est horrible. Attendez, là-bas il y a le machin pour avoir les renseignements. Oh, oh mon dieu. Sniper, alarme, faudrait que j'aille là-bas. Faudrait que j'aille là-bas. Mmh. Est-ce que je cours et je saute ou pas? J'ai intérêt à faire gaffe. Je suis vraiment mais... Je suis un baiser de la tête, hein. Putain, l'alarme elle doit être à l'intérieur. Oh, je suis vraiment pas yimbin. Oh! Non, non, je suis pas là. Bon, bah l'alarme est donnée. Hein. L'alarme est donnée. C'était trop rapide. Hein. C'était beaucoup trop rapide là. Hein. Oh là là. Oh non. Comment j'ai fait? Remonte. Faut absolument que je reste là.
Là, je suis en sécurité, là. Oh là là. En sécurité, c'est vite dit, hein. Bon, par contre, les renforts me font peur. Ok, il me faut des clés. Par là. Ok. Ah ouais, il y avait une alarme là. Aïe. Danny, je vois des troupes qui se dirigent vers toi. Non, c'est pas cool ça, les troupes qui arrivent. Ça, c'est vraiment pas nice. Ça, c'est vraiment pas nice. Vas-y, viens. Ah ouais. Laisse tomber ça. Vas-y, viens. Oh là là, magnifique. Fais attention, Danny. Des soldats mettent le cap sur ta position. Oh non, non, c'est pas cool. Y'a un hélicoptère. Y'a un hélicoptère et dans ce cas-là, on fait quoi? On quitte le jeu. Non, je rigole. Il faut absolument changer le Supremo et reprendre l'Exterminador. Voilà. Et après on fait quoi? On va là. Et on fait ça, regardez bien. Voilà. C'est fini pour toi. Voilà, voilà. Et là on devrait être tranquille. Ça a dû faire mal ça. Il y a encore des hélicos. Ah ta gueule. Oh non, c'est trop. Bon. Il doit plus rester grand monde. Hein. Il doit plus. Ouais, c'est bon, il reste plus grand monde. Oh yes. Bon, en vrai ça va, mais putain j'ai eu chaud hein. Je suis désolé, moi je me suis chié dessus hein. Franchement, je voulais pas mourir, je voulais pas foirer hein. Bon du coup, mais alors par contre, et en vrai je suis désolé mais réalistiquement parlant, on est en plein dans la ville. Genre on arrive à contrôler cet endroit quoi. Par contre on a foiré, ouais bah oui on s'est fait cramer donc je pense que les otages et tout ils sont finis hein. Mais genre là on est safe. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que là concrètement, enfin il y a les soldats partout. Et ici c'est chez nous maintenant. C'est drôle quand même. Ok. Eh ben ça c'est fait. Par ici. Quoi de neuf? Pour moi, Freddy est le meilleur joueur de baseball du pays. Juste après son père. Ouais, et franchement, c'est bizarre parce que quelqu'un avait le même discours tout à l'heure. Les forces spéciales. Hey, tu vas faire quoi toi? T'as le seum ou pas là? Ici c'est chez nous maintenant. T'as vu? Alors, tu fais pas ça? J'ai le droit d'aller là si je veux. Il me met la pression ce salaud. Hein. Il me met la pression de ouf. Vous savez ce qu'on va faire? Maintenant que j'ai tout ce qu'il nous faut en uranium, on va juste faire un petit tour, voilà, chez Juan. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. On va s'en arrêter là pour cet épisode. En effet, je vous avais dit qu'on allait enchaîner avec les Morales. Mais on va faire ça dès le prochain épisode. Et j'espère juste que le prochain sera pas le dernier. Parce que ça peut aller très très vite. Hein. Sur un épisode d'une heure, ça va très très vite hein, l'émission, vous l'aurez remarqué. Donc, allez, l'atelier, la dernière arme. Et voilà, c'est carré, c'est réglé. On lui a acheté toutes les armes. T'es content? La sorpresa. Très bien. Bah on a acheté toutes les armes de Juan. Est-ce que tu veux me dire quelque chose d'ailleurs? Danny, tu devrais prendre un rencard avec l'établi. Bah c'est fait. C'est fait, y a plus rien à acheter quoi. Ah si, je peux toujours acheter des machins. Mais on est d'accord que du coup, défi principal accompli, mais bravo à moi. Mince, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Attendez, journal. On s'en fout. Histoire de Yara, opération. Bah c'est bon. Hein. What? Eh les gars. Ah oui voilà, c'est bon, y'a plus Juan, c'est terminé. Les gars, regardez comme ça me stresse. On a 4 missions au total en fait. C'est-à-dire qu'on a ça dont on s'en fout, on a la quête principale, et puis on a 2 missions à la con.
C'est pour vous dire à quel point on a tout fait. Alors évidemment on a des chasses au trésor qu'on peut faire, mais voilà, pour vous donner un peu l'image de comment on a bien avancé. C'est un truc de ouf. Magnifique. Eh bien les amis, c'est sur ce beau panorama que nous allons nous quitter. J'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour vos petits pouces bleus, bien évidemment. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. Peut-être un avant-dernier épisode, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, préparez-vous. Moi, je suis pas prêt. Allez, des bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.